moi, c'est un match d'amour. Pour le match de ce soir, j'ai été réquisitionné pour la sécurité. En cas de combustion spontanée, du faux tableau, je devais intervenir histoire qu'aucun des participants ne soit gravement blessé. Je suis l'arbitre de la parodie de combat qui a opposé M. Hurman à une de ses inénarrables croûtes lors d'un procès de très mauvaise aloi. Pascal disait qu'on est né par hasard dans un monde qui se fiche de nous et on mourra avant même d'avoir compris ce qu'on faisait dans ce monde. Le tableau est plus fort que l'artiste. Je ne sais pas si le tableau fait sens en soi en fait. Décoratif. L'homme a inventé l'image pour cacher son dessin. La représentation artistique est un échec. Tableau sans sujet. Attention. Il y a un cheval dans la salle de bain. Ça suffit. Ça te la coule là-bas. Tableau Stop. Sans sujet. À vous de toi, monsieur Hurman. De vitesse dans mon passé. Il n'y a aucune loi qui m'empêche de m'emmerder de plus en plus vite. Il n'y a aucune loi qui m'empêche de me faire chier de plus en plus fort. C'est ma conduite intérieure. C'est ma limite. La limite. Il fallait, j'imagine, pour Hurman, le meilleur peintre de ma génération, donc non pas de la sienne, obsolète, et en voie d'extinction, pour apporter un petit peu de peps à cette soirée, dont l'open bar s'avère très limité. L'arbitre vendu, il a été acheté par le tableau parce qu'au deuxième round, je l'avais mis KO l'arbitre, je l'avais mis KO. Le tableau était mort, deuxième round. Il ne devait pas y avoir de troisième, il t'a acheté le tableau. C'est pas toi qui as acheté un tableau, c'est le tableau qui t'a acheté. Alors si je vide mes poches, si je vide mes poches, je ne trouve... Je prends que deux piécettes. Eh ben ça va, 40 centimes, je prends quand même. Voilà. Merci. Enregistré. Ouais, c'est ça. Merde, j'ai perdu la pièce. Et il en profite pour chier. Il est assis sur les toilettes. Dégueulasse.